Salut les amis, bienvenue au Brésil. Et oui, avec Eleven Sports, nous nous devions de vous convier à partager notre immense plaisir, celui d'assister eh bien au Red Bull Neymar Junior 5, un tournoi intercontinental où bien évidemment, eh bien le ballon est roi, comme un certain roi Pelé, n'est-ce pas Dane? Yes, we zijn in Brazilië, we zijn er geraakt, we hebben er ongelooflijk veel zin in. Ons Belgische nationaal team, die zijn inmiddels ook aangekomen. En Martijn, onze Belgische nationale freestyler, die uitgekozen is door Neymar Junior zelf, om in zijn global team te voetballen, die loopt hier ook ergens rond. En wij gaan hen op de voet volgen. Le Red Bull Neymar Junior 5 2019, c'est maintenant! Bon, et voilà, nous sommes en compagnie de Miramas, hein, qui va représenter la Belgique. Messieurs, nous sommes à quelques heures du début du tournoi. À tout seigneur, tout honneur, Kamel, tu es le capitaine. Comment on se sent? Bah, un peu stressé, on va pas se mentir. Mais ce soir, on va parler, on va remettre les pendules à l'heure et normalement, ça va le faire. C'est assez surréaliste. Vous êtes français, c'est ça? Français, c'est ça. Mais bon, le football, il y a toujours des surprises. Et on va prouver ça encore demain. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop le seum avec vous, les gars. Bon, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, j'imagine. Et on va essayer de faire honneur au drapeau, on va pas vous décevoir et on va être à la hauteur, je pense. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Vous allez faire honneur au drapeau et je vais vous demander un petit défi, les mecs. J'ai la Brabançonne avec moi, je vais vous donner le micro, j'ai les paroles et c'est à vous de jouer. D'accord? Allez, c'est parti. Oh, belle mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang. Oh, patrie, nous le jurons tous, tu vivras toujours comme les mères. Le roi, la loi, la liberté. Ah. Hey, c'est bon, et en fraîche. Hey, se pone tan fresh. Moi, en fait, je suis ici bon, pour coacher l'équipe Junior Global 5, qui est une sélection internationale, dont notamment il y a un Belge comme Martin. Souvent, on sous-estime les Belges, mais en street football, c'est l'une des meilleures nations, il faut le savoir. C'est l'une des meilleures nations au niveau des petits ponts. Martin, il fait partie de la 2e ou 3e génération de joueurs de petits ponts en Belgique, et vous avez vu son niveau. Et il y en a encore qui arrivent en dessous de lui. Donc c'est bien, si un jour vous croisez en Belgique des street footballeurs, encouragez-les, parce qu'il n'y a pas forcément de structure. C'est des mecs qui s'entraînent tout seuls. Chez eux, il n'y a pas de club. Donc du coup, ils ont besoin du soutien des gens et ça ferait plaisir de l'avoir. Ik ben echt volledig omvergeblazen. Wat ik hier zie, dat is echt ja, wat je denkt wat dat Brazilië is. Prachtige stranden, iedereen die hier aan het voetballen is. We hebben juist ook een zalig matchje gespeeld. Dus ik amuseer mij te pletteren. Het is echt de reis van mijn leven. Heb je al een beetje kunnen oefenen met je teammates? Ja, wij zijn 3 dagen eerder aangekomen dan alle andere ploegen. Omdat wij dus een ploeg hebben, 7 spelers die elkaar niet kennen van over heel de wereld. Dus wij hebben echt al tactisch getraind. We hebben 3 dagen echt goed getraind met onze coach, Céan. Een heel bekende freesteller. En het is eigenlijk een heel goede trainer. We zitten nu op dezelfde golflengte. Oké, Martijn, ik heb een kleine challenge voor u. Hoeveel mensen hier op strand kunnen je door het beentje spelen? In 5 minuutjes. In 5 minuten? Oeh, dat is moeilijk om te zeggen. Ik ga gewoon het al zeggen, hè. 40. Wow, oké, ik ben benieuwd. Let's check it. Niet ver van. Ik ben volledig kapot, maar ik ben blij met 25. Nice. Jij bent ook kapot. Ja, goed gedaan, goed gedaan. Ou alors peut-être dans l'autre sens. Voilà, bah oui, noir jaune rouge quand même les mecs. Boule au ventre au sein de l'équipe belge. Portugal, groupe D avec la Belgique. Ça va être pour nous la Jamaïque, messieurs.
Tranquille les gars. On ne les connaît pas, on ne rigole pas avec eux. L'Australie, quatrième et dernière équipe tirée. Tu en vas déjà pour préparer la tactique ou quoi? Mais c'est ça. Là on rigole pas là, c'est bon. Là on pense qu'à ça, on pensait qu'à ça, on va garder leur tête sur le site Neymar. Et on va. On rigole plus à partir de maintenant, c'est notre visage qu'on va montrer. Ils sont déjà là les gars, nos petits Belges d'adoption. Ils sont sur le pont, ils sont sur le pied de guerre. On va aller prendre un peu la température. On a quelques minutes là du premier match, comment on sent? On est un peu stressé, mais après hier soir on a bien parlé comme on vous l'a dit hier. Et on a essayé de bien organiser le match et là on va voir comment ça se déroule. Mais on va rentrer directement fort d'entrée de jeu et on verra comment ça se passe. C'est le moment, c'est l'instant, c'est l'entrée en liste de la Belgique. Nos compatriotes, si j'ose dire, vont affronter l'Australie. Il est important de ne pas se louper histoire d'être confiant pour la suite du tournoi. Het is enorm spannend. Het belangrijkste is dat ze niet eerst een goal binnenlaten. Voilà, 5-0, score de forfait. Ce n'est pas le début tant espéré, on va pas se mentir. Belgique-Portugal, deuxième match. De quoi permettre à notre pays de s'envoler, du moins on l'espère, vers la victoire. Voilà! Voilà, il est là enfin le but! C'est bien parti les gars. Non, tenir, hein, il reste encore 4 minutes les gars! Ne rien lâcher! Hein. Ça, c'est le deuxième but pour les Portugais, voilà! Je pense que là, 1-3, pour renverser la vapeur, il va falloir une fracture spatio-temporelle ou une distorsion de l'espace-temps, je ne sais pas. C'est, ça sent férusement le pâté. Ik denk dat het gedaan is. Ja. Het is gedaan. Trois matchs, trois défaites, voilà, c'est fini pour la Belgique, mais il y a encore des espoirs, il y a encore un espoir avec Martijn et son équipe de stars internationales. Ja, het mocht niet zijn voor ons Belgisch nationaal team, maar inderdaad, de rest is ons nog Martijn. Hopelijk kan hij de eer herstellen en we gaan dat straks in de namiddag zien. In de hulp was dat de match dat we zeker moesten winnen. En ik had ook het gevoel tijdens de match dat we echt ja, konden winnen. En het feit dat we nu met één goaltje verschil hebben verloren, ja, een beetje klote gevoel op dit moment. Maar er zijn nog twee matchen, dus het kan nog natuurlijk. Martijn doet het, 1-1. Ja, yes! Nee. 1-3. Nu hebben we twee matchen verloren, nog eentje te gaan. Dus het is gedaan, maar we gaan er gewoon nog een laatste leuke match van maken tegen Nigeria, die fysiek wel heel sterk gaat zijn. Nu heb ik zo'n gevoel van, waarom komt dat niet in deze twee matchen? We hebben gewoon heel goed samen gespeeld en deze keer lukte het wel, terwijl ik had het gevoel in de vorige match dat we ook wel een kans maken, maar ik ben blij dat we toch goed geëindigd zijn. Neymar Junior 5, jour 2. Le sort en est jeté, nous connaissons l'affiche de cette finale du Neymar Junior 5. Ce sera une finale 100% européenne entre l'Espagne et la Hongrie. En ik denk dat het een mooie finale gaat worden. En het wordt eentje dat we samen gaan bekijken met Martijn. Il est là, Dane! Neymar est là! Comment tu te sens? Eindelijk is hij. Het is het moment dat we op gewacht hebben, hè? Salut. Bon, on va essayer de l'avoir en interview, même si ça semble mission impossible. Hein? Ja, ik denk dat het moeilijker gaat worden. Maar wie weet. Allez, on fait un effort Neymar pour Eleven Sports. On a fait 10 000 km. Ik heb beide ploegen al zien spelen. Ze zijn natuurlijk alle twee enorm sterk. En ze spelen eigenlijk niet. Het is niet met veel show. Beide ploegen spelen eigenlijk echt heel basic, maar dat is uiteindelijk wel de beste manier om hier te winnen. 1-0 voor Hongarije. Wat is er gebeurd? Ja, een speciaal goaltje, een beetje geluk mee gemoeid. Lucky goal, hè. En wat dat is bij Neymar Junior 5.
vanaf dat je een goal tegenkrijgt, is 4 tegen 5 natuurlijk, en wordt het heel moeilijk. In 90% van de gevallen, als je 1-0 achterkomt, verliezen ook de wedstrijd. Dus, maar het kan natuurlijk nog, er is nog een kans. Spanje is wel goed, kan ook. Ja, 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 zeker. Het wordt moeilijk. Voilà, zeker. Volgens mij is de finale beslist en wint Hongarije. 3 tegen 5 is praktisch onmogelijk. En zo wint Hongarije Red Bull Neymar Juniors 5. Uiteindelijk mooie finale, maar het is verdiend. Ja, proficiat aan beide ploegen. Meer dan verdiend, hè? Echt waar, ja. Et voilà, Dan, c'est ici que se termine notre périple brésilien. Oui, c'est déjà terminé. Bon, on va hélas, pas. Hélas. Bon, en un mot, commençant, on se sera régalé. Hein. Tout simplement, le temps, les équipes, l'accueil, l'ambiance, c'était tout simplement génial. Le petit bémol, le petit point noir, c'est peut-être la prestation de la Belgique et aussi le fait que, bien que Neymar ait fui notre micro. C'est jammer dat hij ons niet gesproken heeft, maar we hebben hem op zijn minst toch gezien. Ik heb er al sinds enorm van genoten. En ik hoop dat we er gewoon volgend jaar terug bij gaan zijn. Voilà, j'ai envie de dire à l'année prochaine et surtout, obrigado la famille.